Bonjour tout le monde, Marika Lemay pour la Magie des étangs. Aujourd'hui, je vous montre une petite boîte toute mini qui peut accueillir des bonbons, des chocolats, des dragées. Vous pouvez varier les modèles à l'infini. Celle qui se marie cet été, c'est un beau petit format pour donner à vos invités. Ça peut aussi être décoré pour les fêtes d'enfants, les showers de bébés. Bref, j'en passe. Je vous montre tout de suite comment, c'est pas compliqué. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec une feuille de papier cartonné 8,5-11, vous allez pouvoir réaliser deux boîtes. C'est un modèle que... c'est pas la première fois que je vous présente, hein, parce que j'adapte tout le temps les mesures pour varier le format. Alors, j'ai sorti mon coupe-papier Stampin' Up, le nouveau, que j'aime franchement beaucoup. Et on va couper en deux ici notre papier. Alors, pour le fond de la boîte, je vais me placer à 2 pouces, faire un pli, ok? Et puis, je tourne de côté, et là, c'est pas compliqué, 2, 4, 6, 8, 2. Et ce qui est le fun, c'est qu'ici, j'ai mon petit rabat pour aller monter ma boîte. Prochaine étape, j'enlève le petit morceau dans le coin inférieur. Et ici, je pourrais simplement aller ouvrir mes petits rabats, mais je vais les élargir un petit peu. Je fais pas ça tout le temps, là, c'est pas obligatoire. Je coupe un petit peu plus pour que ça s'assemble mieux. Mais je n'ai pas de patron, on y va vraiment à l'œil, ça ne paraîtra pas. Ensuite, je me fais une petite bande de 1 demi-pouce, 3 quarts de pouce en baie des Bermudes pour que ce soit contrastant. Et je refais les mêmes calculs, les mêmes plis, 2, 4, 6, 8. Et je vais, vous avez le choix de couper à 8 pouces ou de laisser à 8 et quart le petit rabat comme tantôt. Je choisis d'utiliser le lot s'épanouir et grandir parce que c'est des fleurs qui sont superbes. Donc, pour monter, on ne se casse pas la tête. Moi, j'aime bien, au lieu de faire ça dans les airs comme ça, je replie et je replie tout simplement. Petit détail, quand vous montez votre boîte, ici, je m'arrange pour que ça donne vers l'arrière. Voyez-vous, ici, j'ai mon pli qui est collé pour que sur le devant, j'aille aucun pli et qu'ici, j'aille une belle finition. Donc, je ne vois pas l'accumulation de carton. On est sur le devant. Et pour fermer, je vais simplement pincer ensemble. Et là, je vais prendre une perforatrice à main pour aller faire un trou. Mais je dirais que ça vous prendrait... c'est bien de le faire en plus qu'une épaisseur parce que là, vous avez 4 épaisseurs à percer. Ça se peut que ça soit forçant. Ici, tout simplement, j'ai été choisir soit le petit vœu bonjour ou bien dans le jeu douceur botanique, ici, ces deux-là. Je voulais vous montrer... que c'est pour plusieurs occasions. Donc, vous pouvez fabriquer ces boîtes-là pour simplement un petit coucou à quelqu'un. Coucou, je pense à toi. Mettre ça sur le bureau d'une collègue de travail sans raison. Ça peut être pour son anniversaire ou peu importe l'occasion. Ici, une petite bannière où j'ai gaufré en blanc à la chaleur mon vœu. Je coupe un carré contrastant de 2 pouces par 2 pouces. Je vais faire un pli à 1 pouce. J'y vais à l'œil. Voyez-vous, il en dépasse un petit peu. Mon ruban va passer quand même. Là, j'ai deux choix.
Ce ruban d'organza à paillettes est sublime. Il y a aussi celui-là. J'aime les deux. J'aime bien faire un rappel de noir. Vous pouvez laisser comme ça ou avec un point de colle. Mais pour moi, la totale, c'est d'aller utiliser les poinçons, le jeu des tempes. Vous allez colorier avec vos Stampin' Blends et appliquer vos belles fleurs ici, ce qui va nous donner ça comme ça. Je trouve ça franchement beau. J'en ai juste mis d'un côté, mais vous pourriez prendre le temps de faire les deux côtés. Regardez comment ça apporte beaucoup d'aller tamper ton sur ton et la petite bande tout le tour. Vous regardez, ça tient là, c'est à peu près la paume de ma main. C'est vraiment le fun comme format. Si vous êtes pressé, oui, ça peut être joli, mais on s'entend, c'est encore plus beau quand on met nos fleurs étampées, collées par-dessus avec le ruban double face. Alors, si vous avez aimé cette vidéo-là, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Commentez, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à me faire connaître également. Alors, je vous invite à visiter La Mèche des Étampes sur Facebook et vous abonner à ma page. Bonne journée tout le monde!